Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter de calendrier de l'Avent, mais une boîte de crackers pour Noël de chez Look Fantastic. Donc voilà, elle se présente comme ça. Elle est très jolie. Donc c'est les crackers donc dans les traditions de Noël en Angleterre, c'est d'offrir le jour du 25 décembre, donc à chaque convive, un petit crackers. Donc dans le crackers, il y a des surprises. Donc voilà, ce coffret, je l'ai acheté donc à 24,50€ sur le site de Look Fantastic. Donc il faut se dépêcher parce qu'il n'y en a presque plus, je crois. Donc ça fait un bon bout de temps que je l'avais déjà acheté. Je l'ai reçu et je n'avais pas encore eu le temps de vous faire la vidéo. Donc voilà, dans la boîte, dans le coffret, donc on découvre les crackers comme ceci. Ils sont très très jolis. Donc ils sont de teinte bleu doré et violet. Voilà, c'est très très joli, j'aime beaucoup. Donc je ne me suis pas spoilée sur le site, j'ai trouvé ça le concept hyper original et sympa de les mettre sur le site. Donc je crois avoir vu quelques marques qui m'ont intéressée, mais je n'ai pas plus découvert. Donc il y a 6 produits, donc ce coffret il est à 24,50€, son équivalent, sa valeur réelle est de 70€. Je pense qu'il n'y aura que des travel size, mais c'est pas grave, ça permettra d'essayer. Donc il y a 6 produits en tout, donc dans chaque crackers il y a un produit. Alors c'est parti, on va commencer par unboxer. Donc je vais disposer comme ça. Donc voilà, c'est comme ça, c'est super joli, ça fait comme un petit bonbon. On tourne. On n'ose pas trop les déballer. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ah, il y a un petit message parce que dans les crackers de Noël, il y a toujours un petit mot, une petite blague en général. Mais bon, là, ça ne sera pas la blague. Il y a écrit « Christmas isn't just a day, it's a frame of mine ». Donc, c'est des petites phrases... d'accroche, je pense. Voilà, bon, en tout cas, c'est écrit en anglais, donc je ne pourrais pas vous traduire, mais c'est pas grave. Donc, l'essentiel, c'est le produit. Donc, on découvre, il est toujours dans du papier de soie, très joli. Alors, le premier produit que je découvre, c'est une crème pour les mains botanique au citrus et listia. Je ne sais pas ce que c'est, de la marque Le Couvent des Minimes. Donc, c'est un tube de 30 ml. Donc c'est une crème, c'est un produit français. Ça sent très bon, ça sent le citron, effectivement. Mais c'est pas trop entêtant, c'est très léger, très agréable. Donc j'approuve. Crackers numéro 2, très joli. J'aime beaucoup la couleur. Pareil, il y a un petit message. Je vais pas tous vous les lire, mais voilà. En tout cas, il y a toujours un petit papier, c'est sympa. Par contre, je suis curieuse de savoir ce que c'est. Ce qui me semble, dans chaque cracker, s'il y a une couronne aussi, avec un petit message, quoi, une petite blague. Et là, on dirait que c'est une couronne. Ouais, c'est rigolo. Bon, elle est un peu grande, hein, quand même. Faut avoir une grosse tête, hein. Voilà, le produit que je découvre. Alors, c'est une crème de la marque... EH Emma Hardy. C'est un produit anglais. Il fait 15 ml. Donc c'est à base. C'est un baume de moringa. Alors je ne sais pas plus. On va voir ce que c'est. Ça sent bon. Ça sent aussi un peu le citron. C'est un baume. Curieuse de savoir ce que c'est. Donc c'est. En tout cas, c'est un produit vegan qui n'a pas été testé sur des animaux. Bah écoutez, je ne sais pas ce que c'est, donc je vais regarder sur internet. Alors ça y est, je suis allée voir un peu sur internet. Donc c'est un baume démaquillant et hydratant pour justement bien prendre soin de la peau. Donc c'est quand même une marque de luxe. J'ai vu le pot de 100 ml, il est à peu près à 80€ aussi. Donc voilà, donc là c'est un 15 ml, ça permet de tester. Donc c'est un démaquillant, une huile démaquillante. Voilà, c'est un baume, je pense que vous laissez fondre un petit peu sur le paume de la main ou le bout des doigts, et puis vous massez, puis après vous rincez avec de l'eau chaude, je pense. Voilà. Donc à tester,
je suis ravie quand même d'avoir eu ce produit. Alors, troisième crackers, donc je découvre une petite crème anti-âge, une crème de nuit anti-ride de la marque Elemis. Donc Elemis est une marque de luxe anglaise également, donc je suis ravie de recevoir ce tube, donc qui fait 15 ml. Bon, avoir comme ça, il n'y en a pas tant que ça, mais bon, il en faut très peu, donc c'est operculé, on sent rien à travers le tube. Voilà, donc super, moi qui adore les crèmes anti-âge, en plus pour la nuit, c'est parfait pour moi. Quatrième produit, qu'est-ce que c'est? C'est une palette contouring, blush palette de la marque Sleek Makeup. Donc c'est une marque anglaise qui n'est pas très onéreuse, donc c'est vraiment dans les moins de 10 euros je pense cette palette. Je suis contente, donc c'est de la gamme Light. Voilà, donc elle est comme ça. La palette, elle est satinée noire, c'est très joli. Alors, on va voir. Waouh! Donc, il y a un miroir. Et voilà les teintes. Donc, il y a un corail. Ça fait un peu un contouring hein, d'ailleurs. Donc, là, on a un highlighter, un shimmer blush et une poudre mate contour. Voilà. Avant-dernier crackers. Alors là, c'est un tout petit flacon pour le bain et la douche. Donc c'est de la marque Aromatherapy Associates. Alors c'est Forest Therapy, donc ça doit sentir un peu la forêt. C'est un produit anglais, le rituel. Alors massage, c'est pour masser en fait à partir donc du haut du corps, voilà, à utiliser donc sous la douche à l'eau tiède et rincer à l'eau tiède. Alors ça sent les huiles essentielles, ça sent super bon. Par contre ça pour la douche, je pense qu'il en faut vraiment très très peu. Je suis curieuse aussi d'essayer, donc vraiment, pour le bain et la douche. Je sais pas, c'est un flacon de 9 ml. Je ne sais pas s'il faut tout utiliser ou pas, mais bon, à tester. Et dernier crackers. Bon, en tout cas, j'ai une collection de couronnes. Je vais en avoir 6. Voilà. C'est un petit cube. Qu'est-ce que c'est? Oh, alors c'est de la marque Ilamasqua, donc c'est un gel réhydratant. Voilà, il est comme ça et il fait 7 ml. C'est tout mignon, tout petit, mais tout mignon. Ça suffit pour essayer. Alors, il y a un petit capuchon comme ça. Alors, c'est transparent. Oh, c'est une gelée. Ça sent rien, mais c'est hyper hydratant. C'est très facile à appliquer. Curieuse de tester aussi. Non, très contente, ravie. Donc là, c'est un gel réhydratant. Donc à mettre le matin. Et puis ça y est, c'est tout sec. Ça pénètre super vite. Waouh, c'est déjà tout sec. Bah, j'aime beaucoup. Donc j'aime beaucoup cette marque. Et là, ça va vraiment me permettre de tester encore. Donc voilà tout ce que j'ai eu, donc je suis gâtée, ça va être un grand plaisir pour moi de tester tous ces produits, donc voilà, 6 produits, c'est quand même pas mal. Donc il y a eu un produit make-up dans le lot, bon j'aurais préféré peut-être un petit rouge à lèvres ou une palette de fard à paupières, mais bon c'est quand même sympa. Et puis après il y a la crème pour le visage, pour les mains, anti-âge, hydratant, donc voilà, c'est plutôt complet. Bon, normalement, ça à offrir à chaque convive, donc c'est pas grave, je me suis fait plaisir avant Noël. J'espère que cet unboxing vous a plu. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, c'est gratuit. Et donc, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite, bisous!